Salut à tous, c'est Megiddo, nous voici donc pour Mega Man Battle and Chase, sorti en 97 sur PlayStation. Un jeu comme vous pouvez voir dans l'intro, une grosse repompe de Mario Kart. Bon, on va continuer avec les Mega Man. On a le mode Grand Prix, le mode Versus, le Time Attack et les options. Faisons un tour dans les options. Je vous dis tout de suite, ce jeu a beaucoup de temps de chargement. Voilà, réglage du son. Le niveau pour mode versus, ça c'est les touches, changer le nom. Ça c'est les records, les options de sauvegarde, etc. Bon, on va sortir. Bon, alors, on va faire directement un grand prix. New game. Bon, on a le choix entre différents personnages, Megaman, Roll, Shadowman, Gutsman, Protoman, Iceman, Napalmman, Springman, Bassman, Quickman, et voilà, on a fait le tour. Bah, tiens, moi, je vais prendre Bass. Ok. Cette petite intro. Bon, on va changer le nom de la voiture, je m'en fous un peu. Donc alors, une fois qu'on a choisi son pilote, on choisit sa course. On a différentes courses à chaque fois où on se retrouve donc avec un adversaire différent principal. Donc par exemple, si je reviens à 0, on a donc le niveau de base avec Roll, le niveau avec Gutsman, Shadowman, Protoman, je sais plus son nom celui-là, Iceman, Quickman, Napalmman, Megaman. Et donc, les courses, il faudra les faire 4 fois, puisque à chaque fois qu'on gagnera une course, on pourra voler un élément de la voiture de l'adversaire. Et une fois qu'on a les 4, on peut passer. On aura donc toute la voiture, quoi. Ce qui permet de modifier plus ou moins sa voiture, carrément pomper la voiture d'un autre, ce qui permet d'avoir une meilleure vitesse, une meilleure adhérence, etc. Bon, on va commencer contre Roll. Bon, là on nous montre le plan. Hop, le temps de chargement pour s'amuser un peu avec les deux, Eddy et je sais plus comment s'appelle l'autre en vert là. Hop, 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 hop. On appuie sur croix, plus il avance. Donc alors, on a, avec croix, on a donc le turbo. Et avec R1, on a le spécial de la voiture. Par exemple ici, Megaman et Bass, eux, peuvent tirer. D'autres ont un bouclier, etc. Allez, je peux pas finir dernier à la première course. Ah, ça y est, j'ai chopé un bonus. Je trouve que les bonus sont assez durs à choper. Hein. Ça, certes pour un bonus, mais là, ce bonus-là, j'ai jamais su à quoi il servait. Ah ben ça, je suis promis. Il faut que j'ai encore 3 tours. Ouais, ouais. Allez. Ah non, je suis con. Ouais, bah, ouais. Je sais même plus exactement comment on lance le spécial. Le bonus qu'on récupère. Enfin, moi, il me sert à rien, il me semble sûr. Ah, ça, le bonus, là, il est clair. Ça m'énerve. Parce que ça endommage la voiture et donc on ralentit. Sans compter, comme vous pouvez voir, il y a plein de pièges sur la route. Terrain de terre qui nous ralentit. Par contre, on peut choper les turbos pour nous accélérer. Allez, sinon apparemment graphiquement le jeu ça va, c'est assez joli, même si les voitures j'ai trouvé assez mal faites. C'est vrai, à côté d'un Mario Kart 64 sorti à peu près à la même période ou un an plus tard, je sais plus
plus exactement la date de sortie de Mario Kart 64, mais là. Je préfère quand même ce dernier. Allez. Oh, moi je garde la touche de tir enfoncée. Comme ça, moi je suis sûr de pas rater les cibles. Même si. Je sais même pas comment on fait pour gagner un bonus. Avec triangle, on a un peu, disons, la touche pour insulter. Les freins, c'est sur carré. Moi, pour ça, j'espère que j'aurai un bon bonus cette fois. Allez, elle est où? Hop, ça est pas loin, elle me colle au train. Allez, dernier tour. De toute façon, je vous ferai peut-être une ou deux courses. Je dois vous montrer à peu près les bases, c'est tout. D'ailleurs, je sais pas si dans le jeu, il faut faire comme dans les games, c'est-à-dire utiliser la voiture de tel personnage contre tel autre. Bah, tout le coup, ça doit être ça. D'accord, ça multiplie, j'ai un multiplicateur de bonus par 3. Le problème c'est que là, dans les premières courses, le bonus ça sert quasiment à rien. Et voilà, j'ai gagné. Héros est deuxième, et les autres, servent à rien. J'ai eu un doute, je viens pas de voir une pub pour Resident Evil. Bof. Maintenant que j'ai gagné, donc je peux prendre une partie. En même pas, il faut finir 5 fois la course. C'est-à-dire, on peut soit prendre le volant, le moteur, pardon, les ailes, les tirs, ça doit être. Si je dis pas de bêtises, ça doit être les petites ailes sur les côtés. Non, non. Je suis en train de dire conneries. Il y a bien 4 éléments. Il y a le corps, c'est-à-dire, c'est la partie centrale de la voiture. Ça, on peut l'avoir qu'une fois qu'on a tous les éléments. Engine, c'est le moteur. Wing, c'est ce qu'il y a à l'arrière. Et tir, c'est les roues. Ben moi, je prends le moteur. Ah, j'ai dit le moteur. J'ai la petite tête d'alphée quand elle est énervée. Non, sauvegarde pas. Continuez, oui. On va faire notre course avec un autre personnage. Donc, bien sûr, plus on récupère de pièces à l'adversaire, plus le niveau de difficulté augmente. Je vais essayer une course contre Megaman. Je fais encore une course, puis après j'arrêterai parce que j'ai pas grand chose à dire. Allez. Je change une pièce ou pas? Bon, je donne ma voiture telle qu'elle. Je suis en tête là. Allez, avance. Je m'amuse un peu. Ah ouais, j'ai pas rêvé, il y a bien des pubs de Resident Evil. Ah, j'ai marre doucement, mais sur les circuits, ça me fait marrer. Putain, ils sont passés où? Je suis loin derrière, je crois, j'ai l'impression. Pour récupérer un turbo ou une connerie comme ça. Enfin, ça existe là-dedans. Je peux plus tirer. Voilà, là je dois être troisième, non? Ouais. Il est où, mais. Ah bah ça va, Megaman, je suis en train de rattraper, ça c'est bien. Hop. Eh, c'est qui ça se peut faire en plus? Ah, il est moins passif que Roll, hein. Ah, ça va pas. Il m'a tiré dessus. Je vais l'avoir en tournant. Voilà. Allez. Non, sérieux, même un Sonic Drift, je trouve ça plus intéressant. Je sais pas.
Dans ce jeu, bien que graphiquement je le trouve sympa, je trouve qu'il manque quelque chose par rapport au Mario Kart. Allez. Ouais, il manque un petit cachet de quelque chose. Disons, je sais pas, j'ai l'impression qu'il est moins fun qu'un Mario Kart ou un Sonic Drift, pour comparer les jeux de cartes à l'époque, voire même, j'ai même l'impression que Street Racer est plus intéressant, c'est pour dire. Allez. Il est pas loin, bon, je le vois dans le rétro. Par contre, la petite image du bas, je la trouve un peu chiante. Et il m'a redoublé. Elle lui a droit à un bouclier. Allez. Ah, ça part. Donc je sais même. Ah, on a une barre de vie en haut, j'avais pas remarqué. À côté de la tête, donc moi j'ai déjà quasiment presque tout le point de vie. Ah, et donc une fois qu'on s'est touché, on a la case. Ah non! C'est en rapport avec l'arme à feu, je crois que c'est une barre de vie, non? Allez. Il n'y avait pas de turbo par ici. Ça, ah, ça permet une fois que c'est plein de lancer une méga attaque. On comprend le truc. Et il va gagner ça ou pas. Ah non, il reste encore un tour. J'ai encore mes chances. Voilà, je l'ai bien eu là avec. Ah salopard. Ah non, je vais gagner ma deuxième course, allez. Hop. Hey, il lâche pas l'affaire. Ah, saleté de mur. J'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de murs ici. Un bonus qui sert à rien, super. Allez. Salopard. Non, je te laisserai pas passer, je gagnerai. Allez, 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 allez. Et voilà, j'ai gagné. Je suis arrivé premier avec du pixel moteur. Et j'arrêterai là, ça vous offre. Fera donc montrer. Plus aussi du pixel moteur. Je préfère le dessin et crawl. Et hop. Donc vous avez à peu près vu comment ça a fonctionné. Megaman Battle and Chase, donc sorti sur PlayStation en 97 par Capcom, bien sûr, comme tous les Megaman. Bon, allez, on se retrouve pour un prochain jeu, sûrement encore un Megaman. Allez, bye.